Quelle est l'origine du doute? En Romains 10, verset 17, la Bible nous dit comment vient la foi. Un des versets clés pour nous est dit Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais quelle est l'origine du doute? Peut-être vous n'êtes pas étonné, mais le doute aussi vient de ce qu'on entend. Donc, comme la foi, mais ça ne vient pas de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17 en Bible de Summer dit, donc, la foi naît du message que l'on entend et ce message vient de la parole de Christ. Et si je dis que le doute naît du message que l'on entend et ce message n'est pas <laughs> la parole de Christ? Jacques, chapitre 1, a quelque chose à nous dire. Verset 6. Encore Bible de ses mains, et après je veux lire dans le Louis II. Il dit Il faut cependant qu'il demande avec foi sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, agitées et soulevées par le vent. faut Demandez sans douter. Je vous lire du sémin euh, de euh, Louis II, il dit, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Écoutez bien, qu'un tel homme, une ou femme, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant. Oui, dans toutes ces voies, le doute, ça fait quoi de nous Des hommes, des femmes, irrésolus. Et nous ne pouvons pas imaginer que nous avons, nous allons recevoir quelque chose du Seigneur. Mes amis, c'est particulier ce que je dis aujourd'hui parce que quelquefois, on a besoin de permettre à la Parole de Dieu de nous corriger. Et s'il y a la place dans votre vie pour le doute, il faut savoir comment ce doute est arrivé. On parle de l'origine du doute. Donc, je veux vous encourager, parce que l'encouragement est l'oxygène de l'âme, et il faut décider chaque jour d'être encouragé et d'encourager les autres. Mais nous avons besoin, quelquefois, de regarder oui, pour enlever ce qui nous empêche de recevoir. Il y a des chapitres dans la Bible que j'aimerais enlever si j'avais le choix. Ce que je trouve des chapitres tellement tristes qu'on voit, par exemple, oui, Saul et ses deux fils tués dans bataille bataille, oui, perdre le royauté. Quand nous voyons, donc... Euh, le peuple d'Israël qui au lieu d'entrer dans la terre promise, oui. résiste, désobéit et tourne dans le désert pendant 40 ans. Si vous l'avez pas lu dernièrement, permettez-moi de vous encourager à relire non verset 13 et 14, pourquoi Pour que nous ne fassions pas les mêmes erreurs. Pourquoi Parce que nous n'avons pas n'importe qui qui parle. Dans ces passages, nous avons des chefs, Moïse envoie, donc oui, douze chefs pour aller parcourir, oui, voir la terre promise. Dieu n'a jamais dit, va voir si c'est possible de le prendre ou pas le prendre. Il a dit seulement d'aller, oui, regarder euh, le pays. Mais il revient avec ce qu'on appelle un mauvais témoignage. Et quelquefois, au lieu d'entendre les bons témoignages, nous nous permettons. Mais aujourd'hui, oui, grâce malgré non, euh, euh, grâce à la technologie d'aujourd'hui, nous pouvons entendre toutes les gens oui, qui se croient importants et qui veulent critiquer des hommes, des femmes de Dieu, des bonnes doctrines bibliques oui, et beaucoup de gens donnent place à cela et après ils se demandent pourquoi je ne reçois pas de Dieu. Oui nous pouvons écouter les gens qui n'ont pas reçu leur guérison. Mais moi, je préfère entendre ceux qui ont reçu leur guérison. Nous pouvons entendre plein des gens qui sont en critique, oui, sur ce qu'ils appellent le message de la prospérité. Moi, je dis, c'est le message de la Bible que Dieu désire que nous prospérions à tous égards. Oui. Il a promis de pouvoir à tous nos besoins selon oui, sa richesse avec gloire en Jésus Christ. C'est à nous de décider qui nous allons écouter. Je vais lire quelques versets de Nombre, vers, chapitre 13, verset 1. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Donc ça, c'est important. Dieu dit, dès le départ, je donne ce pays aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus. De leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Verset 3, Moïse les envoyait du désert de Parrain. Parrain, je ne sais pas si je prononce bien. D'après l'ordre du Seigneur, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Et vous pouvez lire la suite et je vais vous reprendre en verset 26, toujours dans chapitre 13 de Nombre. Nous sommes en train de parler du fait ouais, que nous devons décider qui nous allons. Écoutez, et ce que nous allons entendre. Il dit À l'heure arrivée, il se rendait auprès de Moïse et d'Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montraient les fruits du pays. Ils sont partis, et reviennent, tout le monde. Les entendants. Il faut comprendre, c'est une autre époque. Il n'y a, a pas YouTube, il n'y a pas la télé, il n'y a pas des satellites. Oui. C'est impossible. Ils n'ont rien vu. Tout le peuple, Moïse inclus Aaron, n'ont rien vu. Ils vont seulement oui, prendre de ce que ces hommes déclarent. Il dit verset 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Et ils ont dû arrêter là et dire, montons, on part en eau de ce pays. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je vous le donne. Mais maintenant, ils vont donner leur interprétation. Oui? Ils vont dire leur pensée. Oui, selon ce qu'ils voient. Rappelons-nous, ce sont des hommes qui ont vécu toute leur vie en tant qu'esclaves. Oui, ils ont vu Dieu par une main forte les délivrer d'Égypte, mais ils avaient encore cette mentalité d'esclave. Oui, c'est difficile si nous avons été esclaves à quelque chose pendant toute notre vie. Peut-être vous, vous luttez encore avec quelque chose, donc vous étiez esclaves oui, toute votre vie avant d'accepter Jésus. Mais il faut que nous déterminons de vivre en tant qu'hommes. Libre, en tant que femme libre. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qu'il dit Je vous dire, c'est un des passages les plus tristes oui, de la Bible. Verset 28, toujours en nombre 13, il dit Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Et je crois, si je ne me trompe pas, que Goliath faisait partie oui, de cela. C'est des géants, n'est-ce pas? Écoutez bien. Parce que maintenant, il faut choisir. Parce qu'il dit en verset 30, Caleb fit taire le peuple, écoutez bien, qui murmurait contre Moïse. Il dit, montant. Emparons-nous du pays, car nous y serons vainqueurs. Et vous avez le choix. Vous avez le choix d'entendre et de croire la parole de Dieu, ou vous avez le choix d'entendre le doute qui dit ce que Dieu a dit ne se fait pas. Vous savez, quand nous sommes venus dans, rentrer en Europe, rentrer en Angleterre après nos études bibliques, mes parents avaient visité beaucoup de missions britanniques qui avaient des œuvres en France et ils nous ont dit, ce n'est pas la peine, Daniel Laura, que vous allez les rendre visite parce qu'ils vont vous dire que c'est pas possible oui, de gagner les Français pour le Seigneur, c'est pas possible d'implanter des églises. Et on dit, nous avons été tellement découragés en entendant ce qu'ils ont dit de la France. Dieu vous a dit. Quoi faire? Va le faire. Et j'ai remercié mes parents pour cela parce que sinon j'aurais entendu. On a tellement entendu, voyez, oui, que la France, c'est le, le cimetière des missionnaires, que c'était ceci est impossible et cela impossible. Et vous savez ce que j'ai répondu? Comme Caleb, Dieu nous donne le pays. C'est Dieu qui nous a donné. Jamais on n'a la force pour le prendre. Jamais nous sommes capables en nous-mêmes. Mais pourquoi? Pourquoi nous comptons sur nous-mêmes quand nous pouvons compter sur le Seigneur? Et vous savez, Dieu a fait. Je ne peux pas dire que John et Laura a fait, parce que ce qui est sûr et certain, on n'a pas fait seul. Mais c'est Dieu qui a fait en sorte que nous avons vu gagner, je pense maintenant, c'est des milliers de gens. Nous avons baptisé des centaines de gens. Nous avons des, des gens qui ont fait partie de notre église, qui sont partout le, le monde aujourd'hui, en train de marcher avec Dieu et servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a prêché la parole, on a cru que c'était possible. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que les autres sont en train de dire? C'est impossible? Que dit la parole? Il faut qu'on revienne. Que dit la parole? Les dix sont interrompus. Caleb. Caleb a des montants en paroles du pays et trente 13 31 tout de suite dit mais les hommes qui étaient allés avec lui lui dirent, « nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous et vous savez c'est vrai c'est plus fort que vous oui? mais vous n'êtes pas seul est-ce plus fort que Dieu c'est ça la question c'est pas est-ce que c'est plus fort que John et laura oui sûr oui la religion est plus fort que John et laura oui le, le le rejet de l'évangile en France était plus fort que John et Laura, mais la puissance de l'évangile était plus forte que toutes ces paroles et de toutes ces personnes. Et quand Dieu a commencé de démontrer, et hein, quelquefois j'oublie de dire, mais notre Église n'était pas fondée sur des, des, des propos que j'ai donnés les, par les magnifiques prédications que j'ai faites parce que mon français était euh, presque nul. Ouais. j'ai fait tellement des fautes de français. Mais vous savez ce que Dieu a fait ouais. Chaque dimanche qu'on a annoncé la parole de Dieu, Dieu a guéri les gens et les gens sont revenus, pas seuls mais avec leur famille en disant vous savez, vous avez prié pour moi et Dieu m'a guéri. Les gens qui étaient guéris, oui, des, 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 des problèmes qu'ils avaient depuis les années, les gens qui étaient dans les dépressions. On a vu des choses extraordinaires. Laure et moi, nous sommes conscients d'une chose, c'est que c'est pas nous. Qui ont bâti l'Église, c'est Dieu qui l'a fait. Verset 32. Le peuple a décidé d'écouter. Ouais, c'est dix qui ont amené un mauvais rapport. Qui êtes-vous en train d'écouter? La parole? Ceux qui croient que c'est possible ou ceux qui ont toutes les raisons pour échouer? Nombre 32, verset. Nombre 13, verset 32 dit, car ils décrirent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré et dirent, le pays que nous avons paru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Est-ce qu'ils sont allés demander aux gens du pays comment ils les voyaient Non, ils ont décidé qu'ils étaient vus comme des sauteurs. Vous savez que le peuple dans la terre promise avait peur. Ils avaient entendu de ce que Dieu avait fait pour faire sortir d'une main forte le peuple d'Israël, d'Égypte. Et ils avaient peur, mais non, eux, ils les voyaient plus grands, plus forts, et ils se voyaient incapables. Et le résultat Qu'est-ce que vous êtes en train d'entendre Quel est le résultat est-ce que le doute est semé dans votre vie Il faut que vous changez ce que vous écoutez. Le résultat, on voit en nombre 14, verset 1. « Alors toute la communauté se souleva, se mit à pousser des grands cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. » Verset 2. « Toutes les Israélites critiquaient Moïse et Aaron, ils ne sont pour rien, Moïse Aaron, hein? et toute la communauté leur dit si seulement nous étions morts en Égypte ou du moins dans ce désert, ils n'ont rien vu, mais ils ont entendu. Ils ont entendu que c'est pas possible. Nous avons besoin d'assurer qui nous sommes en train d'écouter. Est-ce que c'est la majorité Est-ce que la majorité a raison ou est-ce que Dieu a toujours raison Quelqu'un dit, avec Dieu, nous sommes toujours en majorité. Rappelons-nous quelle y a les légendes anges derrière nous. Oui, les gens parlent toujours des démons, mais parlent un petit plus de, des anges. Les anges sont de notre côté. Le doute vient de ce qu'on entend. Faites vraiment attention de ce que vous êtes en train d'entendre et assurez-vous oui, que vous jugez oui, tout par la parole. Parce que quand la Bible dit, Quelque chose, nous pouvons dire, il est écrit. Et rappelons-nous que Jésus lui-même a vaincu les tentations du diable oui, dans le désert avec il est écrit. Les amis, n'oubliez pas que Dieu vous aime, nous ici, et Jésus revient bientôt.